Eh, salut à tous, c'est le Pandac, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Barn Finders, voilà, un petit jeu tranquillement, bien sale, comme il se doit, comme on aime. On va découvrir ça ensemble, tranquillement. Donc là, du coup, on sélectionne notre profil, donc création de personnage, donc voilà, on peut choisir entre différents avatars. Donc, voilà, on en a quelques-uns. Moi, je vais prendre celui-là. On va renommer ça tranquillement, le Pandax, voilà, tranquillement. Ajouter, sauvegarder profil. Ouais. Alors attends. Ok. Donc c'est parti, on y va dans les options. Normalement, c'est tout est bon. Audio, nanana. Précédent, nouvelle partie. Are you sure? Yes. Yes, yes, yes! Je vais présenter les personnages, ok. Pas tout à fait, quelque part en Amérique. Debout les jeunes, notre générateur est en panne. Récupère une batterie dans la voiture et répare-le. Ok, chef. Il faut travailler beaucoup, nos vacances nous attendent. Ok, ça marche. Bon, on va aller faire ça alors. Ok, donc là du coup, contrôle. Ouais, alors, les touches, bien évidemment, on peut les changer dans les paramètres. Hein. Moi, je les ai changés parce que sinon, c'est incroyable de se déplacer avec W et tout ça, c'est pas possible. Donc là, on est dans notre petite chambre. Équipée pistolet d'amélioration pour modifier. Ok, d'accord. Ok, voilà, c'est bon, j'avais un petit bug de touche. Donc du coup, déchets de valeur. Appuyez pour. Appuyez sur pour recycler, d'accord. Ok, donc on gagne 3 dollars. Wow, wow, wow. Ah, l'autre, il se met à péter quand il s'accroupit, quoi. Ah, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Ce jeu est plein d'humour, très bizarre, on va dire. Alors, QE pour tourner. Ok. Pour lancer l'objet, ok, d'accord, on peut le balancer, ça marche. Ok, tout ça, on va vendre. Waouh. Ok. Alors, du coup. Hop, on va se faire un petit peu d'argent, on va vendre toutes les petites canettes. Ça, ça, ça. Hop, hop. La poubelle. Attendez. On va la poser là. Ok, là, il n'y a rien. Ah, oh, il est dégueulasse le placard là. Enfin, c'est pas un placard, c'est un frigo. Mais bon. Ok, donc ça, c'est complètement déglingué. Ok. On va voir s'il n'y a pas des trucs. C'est quoi de ça? Your poster? Here. Here. Ouais, moi, mon anglais, ça fait. Oh! Paint shop poster. Équipé pistolet pour améliorer. Page de BD ajoutée à la collection. Ok. C'est quoi ça, ce dessin? Très bizarre. Toi, par contre, tu vas aller là. On va fermer ça, le placard. Ok. Récupérer la batterie de la voiture dans le coffre de la voiture. Déposez-la dans le générateur. Utilisez votre ordinateur pour trouver un boulot et voyager dans l'Amérique. Comment ils écrivent ça? C'est n'importe quoi le truc. Ok, ça c'est à vendre. Wow, oncle Billy! Vous pouvez placer des objets sur les étagères vous-même. Ok, d'accord. Merci de l'info. Hop, on va vendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de beau à voir par là? Ok, donc là, normalement, les temps, on pourra. Avec les pelles ou.
Ou les pioches. Ah oui, alors les poules, c'est incroyable les poules. Ah, ça y est, on lui a tordu le cou à la poule. Elle est naze. Non, faut pas faire ça, c'est pas bien de faire ça. Non, c'est pas bien du tout ça. Non, c'est pas bon ça. Non, non, non. Oh là. Oncle B, Suzanne. Ah ouais, d'accord. Bah, on récupère, hein, vas-y. Là, il n'y a rien de caché par là, ok. Ok, donc là, ce sera pour réparer. Gasoil. Là, ça sera pour construire. Ça, c'est un poster. Ça, c'est une roue qu'il faut qu'on ramasse. On va aller l'emmener directement. Alors, roue arrière de Jama. Assemblée moyen. Cancel, plus de détails en mode inspection. Ah ok, d'accord, voilà. Ok, mode inspection. Conçue par le très estimé Manuel Bananas, elle fut une conception audacieuse et innovatrice pour son époque. Ok. Appuyez sur T pour le transport. Ramassage dans... Ah ouais, d'accord, ok, ça l'emmène directement. Je ne sais où, dans le pick-up? Ah ouais, dans le pick-up, ok. Alors là, c'est notre magasin. Donc là, avec le bouton là, normalement, on peut, voilà, ouvrir ou fermer la boutique. Ça, on pourra le bouger. Notre magasin. Ok. Construire une étagère moyenne pour 24, 245 dollars. Pour l'instant, on a que 69 dollars. Ok, donc tout ça, ça va être à construire. Hop, on va aller derrière. Ah oui, donc faut qu'on mette la batterie. Oh bah tiens. Ok, on ajoute à la collection direct. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a par là. Poubelle. Oh bah. Ok, nickel. Des tableaux. Construire une station de nettoyage, d'accord. Hop, ça on peut vendre. Là-dedans, il n'y a rien. Ça, c'est quoi? C'est quoi de ça? Ah non! Oh! Oh, c'est dégueulasse! C'est pas possible! Pas d'énergie. C'est quoi ce bruit-là? T'es à moitié un cochon, un conchon chelou là. Ah ouais, ça on peut vendre. Prenez une batterie de votre voiture, placez-la dans le générateur. Ok, donc ça c'est la mission. Ok, la batterie est là. On la prend. Et voilà! Le courant est arrivé! Pas d'énergie, donc là du coup. Ok. Donc là j'ai la roue que j'ai. La roue arrière de Jamaa. Total value of item storage. D'accord, ok. Donc tout n'est pas traduit. Tout n'est pas traduit à 100%. Bon, peut-être que ça viendra plus tard. Mais bon. Allez, donc du coup, ça c'est quoi? Ok. Pistolet d'amélioration. Construire et personnaliser votre maison. Lampe, yeah, illumine les zones sombres. H-Miko, niveau 1, plus de chances de trouver du métal, des débris et du bois, ok. Outil à la vitesse lente pour creuser les trous. Rocher Miko peut ouvrir des serrures de difficulté facile, d'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de thunes pour acheter ça. On va revendre la petite binouze. Et sinon, ici, bah, pour l'instant, il n'y a rien à faire. On va faire la première mission. Enfin, la première mission. Barn Hub, et franchement ils ont osé faire ça quoi. Barn Hub, c'est incroyable. Ok, email. Bonjour fouilleur de grange, vous pouvez aider un vieil ami? J'ai entendu dire qu'il y a toujours un vilain cerf à la vieille grange rouge. Peut-être que vous pourriez le trouver là-bas. Il y a de l'argent dedans. Merci, Mick. Mike. Mick ou Mike. On accepte, mon gars. Direct. La grange rouge.
Ah bah en plus on avait trouvé un truc donc c'est nickel. On y va. Let's go! C'est un petit jeu vraiment fun. C'est vraiment sympa. J'avais hâte de le faire. Je suis content. Ils ont vraiment mis le paquet sur les bruits et tout. Pour aller aux chiottes. C'est n'importe quoi les trucs. Rapidement des objets. Vous pouvez récupérer rapidement des objets. Utilisez-le. Ouais. On utilise quoi? Amélioration pour personnaliser et construire un... Ok, d'accord. Ah, il y a une poule dans notre bagnole! La grange rouge, nid d'amour de Dwayne. Ok! On va aller fouiller tout ça! Ok, donc on va tout fouiller. Tutoriel explorer les granges. Alors, en tant que fouilleur de grange, votre boulot consiste à trouver les objets demandés. Cherchez d'autres objets de valeur, vous pourrez les revendre dans votre boutique. Recherchez des objets et des secrets supplémentaires. Les cartes en sont remplies. Ok, mon gars! Pas de problème. Oh, cette célèbre grange rouge, allons explorer les environs et prenez tout. Ok. Bah, on va tout prendre, mon gars. Pas de problème. Donc, du coup, faut tout bouger. Faut tout regarder. Faut tout fouiller. Et bah, c'est ce qu'on va faire. On va tout fouiller, on va tout regarder. On va essayer d'aller assez vite non plus pour pas que la vidéo elle fasse 2 heures. De toute façon, c'est clair et net, il y aura d'autres vidéos, les gars, assez vite. Même très très vite, j'ai envie de vous dire. Parce que ce jeu est vraiment excellent. Alors, Jomanure de collection. C'est parti, on envoie ça dans le pick-up. On déglingue tout là-dedans. Ok. Alors attendez, est-ce qu'on peut passer en dessous? On peut passer en dessous, mon gars. On va ramasser le tableau. Hop là. Ça, on vend. Ça en vend, ça fait de l'argent. Ça en vend. Quand il se baisse, il pète. C'est n'importe quoi le truc. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. C'est trop marrant. C'est quoi? Il y a un alien là-bas? Oh, c'est chelou ça. Il y a carrément un alien, mon gars. Oui, monsieur, il y a un alien. Attendez. Ah, il est là! Ok. Oh. Tiens. C'est quoi ça? Wow. Non, mon gars, bois pas ça! Delirium Theater! C'est quoi ça? Mais non! C'est quoi, c'est un rat? C'est n'importe quoi. Tout ça pour ça. Oh la vache. Ils sont tarés, les mecs. Ok. Mais non. Oh la vache, il a tout déglingue partout. Y a pas quelque chose là? Ah, un loup empaillé. Attendez, voilà, on va l'emmener directement dans le... Hop. Toi, tu nous fais chier le banc. Direct, voilà. Ok, alors, du coup, là, il n'y a plus rien à voir. On a fait le tour, normalement. De toute façon, après, je fais un petit tour vite fait, rapide, comme ça. Et on va voir dans les objets restants, après, s'il reste des trucs. Hop, on va se faire un maximum de pognon. Ok, on vend tout ce qu'on peut vendre. Là, il n'y a rien qui se cache. J'ai vu la petite bouteille là. Elle ne croyait pas qu'elle allait m'avoir. Non, non. Alors, faire gaffe parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des clés au mur, des trucs comme ça. Ok, donc là, il y a des trucs à vendre. Là, il n'y a rien. C'est quoi, c'est un paquet déchets de valeur. C'est quoi, c'est des clopes? C'est un déchet de valeur, un paquet de clopes? Ouais, tu m'étonnes. Tu me diras, c'est assez cher les clopes. Hein. Ouais, carrément. Hein. Moi qui suis fumeur, je peux te dire que c'est cher les clopes. Ouais, c'est un déchet de valeur, carrément. Alors. Ok. Oh, une télé. Ça en vend. Ça en vend.
ça. Hop. Dans le pick-up. Ok. Ça c'est pareil, on ramasse aussi. Oh, du gasoil, ça c'est cool. Vous n'avez pas la clé. Ok, donc faut qu'on trouve une clé. Ok. Oh, c'est quoi ça? Monsieur Gustave. Gustave était un acrobate et un athlète talentueux. Il a un jour sauté par-dessus deux lignes de soldats, tenant des baïonnettes fixes. Il est aujourd'hui. Peut pas voir le reste? Non. Une grenouille sur un monocycle. Ok, pourquoi pas. Si tu le dis. Si tu le dis, pourquoi pas? Moi, je veux bien. Ah, la voilà la petite clé. Tranquillement. Ça, on peut vendre. Ok. Là, il n'y a rien. Ça, on peut vendre. Oh. Oh, pas mal. Jackie, Jackie. Texas Whiskey. Ok. Vas-y. Et alors du coup, on a chopé la clé. Alors la porte, elle est où? Elle est là. Ok, on a accès à l'autre partie de la grange. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se planque derrière? Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose là-dedans. Mais regardez partout. Ah, oh, tiens. Pas mal ça. Sunny Cat. Ok. Ah, il y a encore l'étage. Ouais, ok. Là-dedans, il n'y a rien. Oupala. Ok. Pas mal la petite affiche. C'est sympa. Hein. Ils ont bien fait ça. Carrosserie de Jama. On prend en direct. On avait la route tout à l'heure. Donc, si on peut l'assembler assez vite, ce serait assez cool. Des crânes. What the fuck? Ok, pourquoi pas. Ok, là, je sais pas s'il y a grand-chose à prendre. Non, il n'y a pas grand-chose à prendre là. Là, il n'y a rien à prendre. Ok. Allez. Ah, ok, voilà. Ça y est. D'accord. Alors, du coup, j'ai foutu un peu le bordel, moi, j'ai l'impression, non? Légèrement. Ok, on va grimper. Alors. Non. Non. Quand même pas. Ah, c'est osé, hein. C'est excellent. Carrément un truc comme ça, quoi. Wow. Ok. Des bruits chelous. Ouh. Ouais. Direct, on prend. C'est l'objet qu'il nous fallait en plus. Objet de mission trouvé. Ok. Donc, par contre, il nous manque un objet. Eh ben, écoutez, je sais pas où est le dernier objet, hein. Oh. C'est quoi ce bruit? J'entends un bruit comme. Il y a quelque chose dedans? T'as grimpé là? Oh! Prado! Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Là est la question. Attendez. Mais non. On va essayer de grimper. Ah,
il est là le truc, ok. Comment on fait pour le choper? Ok, faut absolument monter là-haut. Alors, on va se faire un escalier. A few moments later. Ok les gars, donc voilà. J'ai fait un escalier. Un peu du mal à le faire, mais bon, ça l'a fait. Normalement, je peux grimper pour choper le PQ doré. Regardez, elle est juste ici. Eh oui! Papier en or trouvé, papier toilette. Cool. Et du coup, c'était même pas ça en fait. Ah ouais, il reste encore vraiment encore un objet quoi. What the fuck? Ouais les gars, l'objet, j'arrive pas à le trouver. J'essaierai de revoir tutoriel, ok. J'essaierai de revoir ça, si on peut revenir ou pas. On verra bien. On va retourner au pick-up. On retourne à la maison. Ouais, mais je sais qu'il me manque un objet. Une main présente un gros pentostyle. Ah oui, c'est le. C'est l'extraterrestre qu'on a vu. Je vais faire apparaître des objets terrestres au hasard pour continuer l'expérience. Wow. Bien sûr. Déverrouillés maintenant posséderont certains objets lorsque vous les visiterez à nouveau. D'accord, ok. Donc on peut les revisiter. Donc il manque bien un objet. Ok. On y reviendra. Utiliser une hache pour détruire les déchets et rassembler des ressources. Ok. Déchargez votre voiture à la main ou utilisez la station de stockage. Bon, on va utiliser la station de stockage. Déchargez le véhicule en appuyant sur le bouton de la station de stockage. Utilisez le bouton d'action secondaire pour placer automatiquement les objets sur l'étagère. Ouvrez la boutique pendant une journée pour commencer à vendre des objets aux clients. Ok. Essayez de placer quelques objets sur les étagères. Ok. Donc là, du coup, il y a pas mal de trucs. On va les voir dans la boutique, du coup. Mais je crois qu'on n'a pas d'étagère, du coup. Ah si, peut-être que ceux-là sont déjà faits, du coup. Presse tout. Ok. Donc là, on a mis la télé. Ok, on a mis la télé à vendre. Use computer email to pack on Sunnautique. Ok, d'accord. Faut qu'on aille à l'ordinateur pour accepter la mission, je pense. Emballer et expédier. Et voilà mon gars. 300$, ça c'est fait. Ok les gars, bon, on va se laisser là-dessus. Il y aura une autre vidéo assez vite. Peut-être pas dans la même journée, mais sûrement demain, ça c'est clair et net, il y aura une autre vidéo. Demain, il y a aussi Desperados 3 qui sort, les gars. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur la chaîne. Si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et à vous abonner par la même occasion si ça vous tente. Sur ce, Kenavo les potos!